Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlabos pour le sixième épisode de Don't Starship Wrecked. Oui, j'ai bien dit sixième. J'ai oublié de modifier le titre, voilà, nice. C'est bon, vous avez rien vu, c'est le sixième. Voilà. Bon, et du coup, dans l'épisode précédent, bah on a fait pas mal d'explorations, on a récupéré les restes du coffre au trésor. Pour pouvoir créer un deuxième chest, pour avoir plus de place dans notre inventaire. Et du coup on a un hammer, voilà, on a pu stocker pas mal de trucs. Et on a exploré un petit peu l'océan, et on a trouvé une nouvelle... une nouvelle bouteille à la mer, qui nous a indiqué un nouveau trésor qui se trouve tout en haut, au nord de l'île la plus haute qu'on avait explorée. Et du coup je me suis dit, vu que dans l'épisode précédent, bah on a pas fait grand chose, pourquoi pas aller chercher ce trésor. On a pas mal de bouffe, on a plein de trucs, why not. Robot, j'aimerais bien essayer de faire un bateau, voilà. Et pour ça il nous faut des vines. Pour les vines il nous faut la machette, et que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celle-là. Machette, j'aime bien comment je dis machette, bref. Bon. Du coup, je sais pas si je vais avoir assez de pourcentage. Ah si, ça va, j'en aurai assez. Sur la machette. Et parfait, on a 4 vines. Par contre, il va nous falloir plus de bois que ce qu'on a. Donc on va en couper, bien sûr. Où est notre pioche? Ce serait bien que j'arrange mon inventaire un jour. Saloperie. Ah, je vais mettre les deux. Mettre tout ça côte à côte, si possible. Et ouais, toi aussi. Ok, et allons, allez, arrêtons de perdre du temps, on a perdu suffisamment. Attention au squelette, toi. Non, je sais pas si c'était une bonne idée de le faire fuir, mais bon. Banane. Ouais, je sais jamais exactement quand est-ce qu'il me file de l'or. Oh, mais sérieusement, quoi, c'est tellement dégueulasse quand ça arrive, ça. Alors là, petit crève, fuck you, je redeviens petit. Non, foiré. quel connard. Bon, ils ont la pioche pour récupérer un peu plus de bois. Et du coup, je pense que ça va nous suffire. J'irais bien cuisiner ces limpettes là avant que ça devienne vraiment trop dégueu. Vraiment nécessaire d'utiliser tout le bois, du bois pour ça, mais bon, c'est pas grave. Nos berries commencent également à un peu perdre de leur saveur. Mais bon, c'est nos provisions. Est-ce que je peux cuisiner la banane, tiens? J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Rose cooked banana. Nice. Et du coup, bon, on va bouffer tous ces trucs. Ça me restaure pas mal de santé, enfin pas trop de santé, mais pas mal de hunger. Bon, bref, sur ce, notre bateau. Refine, déborde, il nous en faut quoi, 3, c'est ça? 2, 3, 4, 3, bon, comme pour le coffre. Ah, et ça coûte 4 quand même, je pensais que c'était moins que ça. Bon, du coup, on peut faire le nouveau bateau. Robot. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut stocker? Pas vraiment. Bon. Allez, ouais, on a un bateau. Du coup, est-ce que maintenant je peux avoir un... Non, je peux toujours pas avoir d'armes. Je sais, c'est assez haut le truc. On va y aller direct. Allez, YOLO. Soyons fous. Affrontons le mystère. Oula. Je vais prendre la empty bottle, même si c'est pas vraiment utile. Waouh. Doucement avec ça. Waouh, bon, voilà, je vais me diriger comme ça. Bon, je ferai bien un petit peu le tour, histoire de voir où s'arrête la bordure. Voir s'il n'y a pas une petite île juste au-dessus, hein. Ça permettrait d'avoir un passage plus facile. Nope, j'en ai pas l'impression. Nah, du coup... Ah, allez, on va partir. C'est parti. Wow. Par contre, c'est pas génial les vagues qui sortent de nulle part comme ça. Ouais, c'est légèrement dangereux. Ah! Nouvelle zone.
Qu'est-ce que c'est? Oula! Une autre jungle! Est-ce qu'on a envie de s'y aventurer? Pourquoi pas? Allez, on va faire un petit saut! Voir à quel point l'île est grande. Pas trop l'air de l'être hein, pour l'instant. Récupérer quelques plantes si possible. Ah, il fait déjà nuit, sérieux? Décidément, ça passe vite! Ouais, voir si on peut trouver. On peut trouver de l'or aussi, hein. C'est un des trucs. Oh, en parlant de ça, il est là. Nice, on va pouvoir faire notre machine. Par contre, il y a des serpents dans la jungle, c'est vrai. Attention à ça. Nice. Nice, nice, nice. Et du coup, autant établir une petite base posée. Dans cette map aussi. Oh tiens, bah ici ça le fait bien. Ben, j'ai pas assez de trucs pour ça, donc ouais, c'est un peu con. Du coup, ouais, autant faire un petit feu tranquille. Un petit feu tranquille, ça me permettra aussi de couper quelques arbres. Voilà, bon, c'est des palmiers, mais bon, ça reste des arbres, hein, n'importe quoi. Voilà, on va récupérer quelques ressources le temps que la nuit passe. C'est quoi ça déjà? Ring Sing. Oh, donc effectivement, on peut bien trouver les objets. Ça veut dire qu'on peut bien passer dans un autre niveau. C'est pas ce que je voulais. Bon bah du coup, toi tu vas alimenter le feu, désolé. Wow. Ok, c'est pas ce que je voulais. Oh, c'est pas grave, bon... Ça arrive. N'importe quoi. Ah là là. Ça peut être utile de la cendre, mais pas tout de suite. Bon, je vais choper la deuxième bottle. Je vais ranger cette saloperie de shovel. Je vais prendre mon arme comme ça. Il me reste un peu de place. Ah tiens, le niveau de la mer peut augmenter. Oh, je savais pas ça. Je me demande si c'est. Si c'est un risqué pour nos bateaux. Non, je pense pas que nos bateaux se barrent quand même. Ce serait abusé. Enfin. Allez, coupons cet arbre aussi, tant qu'on y est. Bah, pourquoi elle est passée là, la picaque, sérieux? Bah, il y est, non. Bon, je sais, ces arbres sont assez petits, mais bon, j'ai rien d'autre à faire, donc autant les prendre. Autant les prendre, autant les prendre. La nuit est presque terminée. On va pas tarder à retourner à notre exploration. Et je commence à être... à avoir masse de... plus avoir trop de place... Non, toujours, toujours bouffer tout ça. Bon, du coup, elle est où mon arme, voilà. Si je porte rien, je vais pas plus vite, j'en ai pas l'impression, non. Une petite save. Ouais, au moins on aura trouvé notre or, donc dès qu'on rentre, si on rentre, hein, si jamais on survit, on pourra faire notre machine, là. Comment elle s'appelle déjà? Notre Alchemy Engine. C'est pas Alchemy Machine? Oh, non. J'y ai cru. Ok, il y a des bises et j'ai entendu un bruit bizarre. C'est peut-être... c'est peut-être cet oiseau. Ok, c'était bizarre. Bruit bizarre. Allez, j'aimerais pas m'attarder sur cette île. Mais bon, autant l'explorer, hein. Autant l'explorer, comme ça on sait s'il y a des trucs utiles dessus. Hein. On sait jamais, il y a peut-être un trésor aussi également. C'est pas parce qu'on n'a pas chopé la bouteille qui correspond au truc qu'il n'y a pas un trésor. Je suis à combien de fleurs? Il m'en manque pas beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'utile sur cette île. Hein. C'est pas très loin de la mienne d'ailleurs. Enfin de ma base. Je pense pas qu'on puisse construire des liens entre deux îles, ce serait marrant. Bon, bah du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des arbres aquatiques? Mangrove, qu'est-ce que c'est que ce truc? Intéressant. Faudrait jeter un coup d'œil à ces trucs. Peut-être des ressources intéressantes. Bon, j'ai pas vraiment envie d'explorer le milieu de l'île pour l'instant. J'y ai juste jeté un coup d'œil. De manière générale... Mais ouais, ce biome peut être intéressant à explorer aussi. Bref. Sur ce... Ah. Oh.
Oh! Mais c'est un grasse biome et des patates! Cool ça! Trouver des patates, c'est trop bien! Bon. Des fleurs, j'ai pas vraiment besoin d'en avoir plus. Oh, j'ai pas besoin vraiment d'avoir plus de bouffe également, mais bon, tant pis. Ah, tu vois. Boulders. Des fleurs en plus. Voyons ce qu'il y a dans ce biome. Et ensuite, on va se rediriger vers notre bateau parce que bon. Le but, c'est d'aller chercher le trésor. Hein. Pas d'explorer. Pas dans cet épisode, en tout cas. Du coup, on a fait le tour de l'île. C'est plutôt intéressant. Plein de biomes différents. Allez, on va faire notre chapeau. J'y vais. Nice. Ouh, on a trouvé un jungle tree. Et encore un boulder. Nice, c'est bien fait d'explorer jusqu'à là. Wow, c'était exactement ce qui manquait pour la pickaxe. Hein. Bref, du coup on a plus de place, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, c'est parti, continuons. Continuons, continuons, à bouffer ces trucs. Il est où mon bateau? Il est là, bon. Allez, on va reprendre notre périple. Oh, de l'or, de l'or, de l'or. Des doubloons. Faut que j'arrive à retenir ce nom à un moment. Bon, allez. C'est parti sur notre bateau. On continue. On n'est pas prêt d'arriver. Tiens. Un nouveau biome aquatique. Peut-être des poissons dangereux ou... Coral reef. Des coraux. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux peut-être miner. Je peux... Ah! Évidemment, quand j'ai plus de pickaxe... J'ai besoin de tester un truc. Ah bah oui, effectivement. On peut bien miner ça. D'accord, je peux choper des coraux. Bon. J'ai bouffé tous ces trucs. Je sais, c'est pas idéal, mais... Pas trop ce qu'on peut faire avec ça, mais on verra bien. Bon. Du coup, continuons. Là, c'est... Il y a toujours ce... Là, c'est marrant, c'est noté. Bref. Le truc de corail est signalisé... signalisé, qu'il soit... Signalé. Suspicious Bubbles. C'est pas très... Rassurant, disons. Ouais, j'ai encore plus de place, sérieusement, quoi. C'est quoi, je vais me débarrasser des Monster Meat, hein. Fuck it. Fuck it, fuck it. Et un autre message in the battle. Voyons ce que c'est avant de regarder les trucs. Peut-être une île plus proche. Oh là, ouais, non, c'est pas plus proche. Non, c'est encore plus loin. Ok, bon, bah, je suis pas prêt d'aller la voir, celle-là. Et du coup, voyons ce que c'est, ces suspicious bubbles, là. Rien? D'accord, bon, ok. Le suspense inutile. Wow, doucement avec les vagues. Bah, je sais toujours pas si les vagues... Bon, on va jouer... Wow. Hein? Ah d'accord, je pensais que les vagues endommageaient mon bateau, moi. Bah non, apparemment. Ah, quoique, je pense que ça lui a fait perdre un peu. Bah attends, je vais retester, du coup. Ouais, ça fait perdre, mais très peu. Hein. Bon, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus. Est-ce que c'est à cause de l'early access, ou bien ce sera tout le temps comme ça, je sais pas. Par contre, ouais, il y a un énorme espace, là. Donc il y a sans doute une île assez proche. Ah, bah, c'est parfait. Il va bientôt faire nuit, donc c'est le moment idéal de trouver une île. Oh, des abeilles. Je vais peut-être pas aller dans la jungle pour l'instant. Maintenant qu'il fait nuit, c'est pas une bonne idée. Et j'ai l'impression que la nuit devient plus longue. La nuit devient plus longue. Je tends un petit coup d'œil sur cette île. Oh, nice, et je peux faire un fire pit maintenant, carrément. Nice. Nice, nice, nice. J'en profitais pour couper du bois, faire des trucs. Du coup, là, c'est pas mal. Je peux choper du bois, des roches. Parfait. Parfait, parfait. Non. C'est l'expédition, du coup, cet épisode. Je sais pas trop. Est-ce que je m'arrête ici? Est-ce que je vais faire un jour de plus? I don't know. Je vais voir. Il me reste 5 de bois, ça va. Je
pense que je vais me débarrasser du Nighter comme d'habitude. Peut-être pas tout de suite, on verra. Bah, ma pickaxe, enfin... Ma hache. Et ma hache. Ma hache va pas tarder à mourir, donc bon. Ouais, j'essaie d'utiliser les termes français le plus possible, même si j'ai pas trop l'habitude. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux pas la bouffer. Hein. Voilà. Why not? Donc j'y suis. Ouais, non, c'est risqué. Alors, ouais, la nuit est assez longue quand même, hein. La nuit est plutôt longue. C'est vrai que je peux toujours dixer machin, je l'ai pas trop fait jusqu'à maintenant. Ah si, le sable, mais je suis censé foutre avec, quoi. Pardon. En fait, je viens de penser à un truc. Imagine que si on mettait le sable sur le feu et ça éteignait le feu, alors ça aurait été assez drôle quand même. Bon, j'aurais eu encore ma torche, mais bon, ça aurait vraiment été con. Pourquoi j'ai essayé de faire ça? Non, faudrait qu'ils ajoutent cette fonctionnalité juste pour troller les gens, ce serait assez marrant. Bref. Enfin. Du coup, je pense que, ouais, allez, on est parti pour un jour de plus. Soyons fous. Soyons fous, je suis assez pressé. Mais bon. J'ai envie d'arriver un peu plus loin. Bon, ça va, je devrais avoir le temps de faire ce qu'il me reste. Du coup, bah comme tout à l'heure, explorons un petit peu cette île. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dessus. Pas mal d'abeilles, on dirait, en tout cas. Ah, elle a pas l'air très grande. Ah, quoique. Quoique, on sait pas de quel côté on est arrivé. C'est vrai qu'il y avait un côté jungle aussi. Faudrait y jeter un œil. Ouais, non, ne pas s'approcher de ces trucs, mauvaise idée, très mauvaise idée. Ils sont différents en plus, ils ont pas la même gueule que dans le Don't Starve normal, j'ai l'impression. Il est maintenant 19h. Merci Canadien, et du coup, voyons s'il y a quelque chose dans la jungle. Petit trésor peut-être? Non. Nope, j'en ai pas l'impression. Putain, j'entends les abeilles dans mon oreille droite. C'est bizarre. Bon, bah... Ouais, je pense qu'on a à peu près fait le tour, quand même. Ouais, cette île a pas l'air très grande. Mais bon, si on a besoin de miel ou de trucs dans le genre, on sait où trouver. On sait où les trouver, et... Bon, j'ai pas trop envie d'explorer par là aussi, mais allez... Muscles, qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Wow. Je me suis gouré de touche. J'ai paniqué, du coup j'ai fait n'importe quoi avant. Et ouais, j'ai carrément bougé la map aussi, j'ai l'impression. Du coup je comprends plus rien. Ok, on va régler ce problème. Voilà. C'était comme ça, je crois. Ouais, c'est bien ça. Oh. Non, c'est... Ok. Non, c'est pas cassé. Ah, bordel. Bon, c'est comme ça, voilà. Bref. Du coup, on s'est un peu éloigné avec cette île, hein. Je me rends compte. On a perdu un peu de vie, c'est pas génial, mais bon. Alors, notre bateau, il est où? Il est où? Bah... Ah ouais, il est en bas, carrément. Bon. Ok, continuons notre périple. Wow, what the fuck? Ah ouais, c'était vraiment pas cool ça, je les ai vraiment pas vus arriver. C'est sale. Et barrez-vous là. Oh là, non, c'est pas le mort. Le serpent, j'ai même pas vu le serpent, j'ai foncé dessus. J'ai failli crever, sérieux. Waouh, c'était hardcore. Putain, en plus ça me soigne même pas, je vais être obligé de faire un feu à la con pour ça. Juste pour cook un peu les berries, sinon je vais crever, c'est complètement débile. Je vais cook mes patates aussi, peut-être que ça me filait plus de vie. Sweet potato en plus, nice. En plus je suis quasiment au max
Ouais. Bon, je peux pas faire grand chose de toute manière. Donc bon, allez, c'est reparti. En espérant qu'il n'y ait pas de truc qui puisse nous blesser dans l'océan, on sait jamais. Une tempête. Tiens, je viens de voir qu'on peut customiser notre bateau en fait. Oh. Ouais, à mon avis, on pouvait rien faire avec les autres. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon bah continuons. On a fait un petit détour, mais bon, autant faire le tour de l'île comme ça. On reste plus dans l'eau. Normal, disons. Allez. Allons-nous atteindre l'île qu'on recherche. Bon, du coup, il va falloir passer par là. Ah, tiens, il y a un petit passage, on dirait. C'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Pas de haute mer. Ça va quand même pas y avoir une autre île, sérieusement. Il y a combien d'îles dans ce coin? Bon, bah du coup, allons y jeter un coup d'œil comme d'habitude. Attention au serpent. Ah, c'est l'île aux araignées, on dirait, hein. Hey, ah, de l'or, de l'or, de l'or, ça je prends. Dès qu'il y a de l'or, on s'arrête, hein. Non, toi, file-moi de l'or. Faut pas lui faire peur, je pense. What? Il y en a deux, c'est quoi ce bordel? Bref, je comprends pas trop ce qui se passe avec ça, mais bref, tant pis. Attention au serpent, attention au serpent, on n'a pas trop de vie. Faut faire gaffe, faudrait pas mourir d'une façon débile. Pas le moment. Bon, on se rapproche. On se rapproche, on se rapproche. Hein. Ouais, c'est vraiment l'île aux araignées, là. Je pense que je vais pas trop m'y attarder. Oh. Encore de l'or. Bon. Je fais bien, quand même, hein, de jeter un coup d'œil. Et c'est déjà la nuit, décidément. Bah, du coup, on va s'y attarder. Hein. On a récupéré pas mal d'or. Ça, c'est plutôt cool. Attention, ouais, attention, il y a pas mal d'araignées du coup. Ouh, et en plus c'est la nuit, on est dans la jungle, c'est chaud. Ouais, je le sens pas trop ça par contre. Je le sens pas trop. Oh là là. Oh là là, là 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 là, on est dans la merde. C'est quoi, je vais carrément mettre mon armure. Ah non, je peux pas mettre mon armure. Mauvaise idée. Bon. Bah, on va se planquer ici. En terre hostile, c'est pas idéal, mais bon. Pas vraiment le choix. Je vais poser mon... Non, je vais pas poser mon backpack, on sait jamais. Dans l'épisode suivant, je serai capable de l'oublier, ce serait complètement con. Ah. Du coup, je vais pas faire grand-chose cette nuit, je pense. Quoique, je peux regarder un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Mettre un piège. Why not? Si jamais un ennemi se ramène. Voilà. Peut servir. Je sais pas si on peut attraper des serpents avec, hein, bien moyen. Shell suit, voir ce qu'on peut faire, hein, dans le coin. J'ai pas trop regardé les nouveaux items qu'on peut crafter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Nautical? Robot, boat repair kit, touch sail, catch the wind. On peut faire un bateau à voile, ça peut être cool ça. Bot torch, si at si. Oh, ça c'est pas mal ça. On devrait faire ça. Bot canon, oh, c'est bon ça aussi. Intéressant. Attention par contre, les araignées, ça devient assez critique. Wow, tiens, parlons de ça. Non, ça va, elle nous a pas attaqué. J'aurais pu la rediriger vers le piège sinon. Et ouais, nos berries, elles sont foutues là. Quoique. Oh nice, elles sont pas foutues, ok. C'était abusé. C'est cool qu'on puisse réparer des trucs comme ça, genre, bon. On prend des trucs pourris et on les rend non pourris en,
juste en les cuisinant, quoi. C'est assez marrant. Enfin, tant mieux, hein, sinon ce serait bien la merde. Non, je mangeais les patates. Et du coup, on a survécu à cette nuit dangereuse, hein, c'est clair. Et on attendra notre trésor, sans doute, dans l'épisode suivant. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas, bien sûr, de commenter, de donner votre avis sur ce let's play. J'en ai pas suffisamment eu, donc n'hésitez pas. Voilà. Et donc, voilà. En tout cas, c'était Merlin Boss pour le 6e épisode de Don't Starve Shipwrecked. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde.